Transition One est une société qui rétrofite, on peut dire convertir, on peut dire transformer, de petites voitures thermiques en voitures modernes, électriques et à un prix abordable. Alors concrètement, ce qu'on fait, on sort le moteur thermique de ces petites voitures et on le remplace par un moteur électrique pour donner à la voiture 100 km d'autonomie, 110 km/h de vitesse maxi et 0 g d'émissions de CO2 quand elle se déplace. Mais il faut qu'on soit nombreux à pouvoir le faire, très nombreux. C'est pour ça que nous, on a un prix, après les aides, qui est de 5000 euros. La conséquence aussi, c'est de devoir en faire beaucoup. On a aujourd'hui 2 prototypes. On va avoir nos homologations dans les prochains mois. On a travaillé en collectif à changer la réglementation. Et on se prépare l'année prochaine à en produire 4000 et en produire 100 000 en moins de 4 ans. La cible de nos clients, ce sont d'abord ceux qui font de petites distances. Parce que la distance moyenne en France, de domicile-travail, c'est 26 km par jour. Donc les 100 km rentrent dedans. Sur ces cibles de clients, il y a ceux qui vont venir nous voir en disant « rétrofitez ma voiture » et vont la récupérer 4 heures après. Et puis il y a ceux qui vont dire « j'ai une voiture qui n'est pas rétrofitable, bah, je vais acheter à Transition One une voiture qui est rétrofitable ». C'est des voitures qu'on aura achetées d'occasion, qui sont souvent en très bon état, simplement leur moteur n'est plus éligible à nos nouveaux critères. La ville, on voudrait qu'il y ait moins de bruit, moins de pollution de CO2, et bien on va les rendre de nouveau éligibles. Aujourd'hui, ici à Grenoble, au MOVE 19, c'est l'opportunité de faire connaître le rétrofit, parce que c'est une vraie alternative, simple, actuelle et pas chère, pour pouvoir agir maintenant.